Coucou tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'est parce que j'ai de nouveau craqué et pas qu'une seule fois. Donc, je suis repassée à Action et en 4 fois, j'ai quand même pris pas mal de petites choses. Mais à chaque fois, c'était pas suffisant pour faire une vidéo. Je suis aussi passée à Zeman un matin. Et donc j'ai pris aussi quelques petites choses chez Zeman. Je vous montre tout de suite. Alors la première fois, je commence par ça parce que la première fois que je suis passée à Action, c'était juste après la finale de la Coupe du Monde. Et pour celles qui le savent, franchement, pendant un bon mois, j'ai cherché en vain un t-shirt de foot. Et comme par hasard, juste après la finale, c'est bon, il y en avait en promo, même chez Action. Donc je me suis fait plaisir. Donc voilà, il était emballé à l'arrache dans du plastique. Donc j'ai plus le plastique. Il me semble que je l'ai payé 3,95 €. Et ma patience a été récompensée puisque j'ai trouvé à ce là. Donc voilà le plastique. C'est 4,99 €. C'est un taille enfant. 1,58 m, 1,64 m, ça devrait convenir pour ma petite taille. Donc voilà, j'ai eu le t-shirt et j'ai eu le short. Il y avait le tout dans le. Donc j'ai essayé le t-shirt, mais j'ai pas encore osé passer le short. Franchement, je dois avoir une dégaine un peu. Ensuite, j'ai pris des petites pochettes. Alors, je vais vous montrer. Donc en fait, une collègue au travail m'a présenté ça. Elle avait amené ça au boulot et du coup, elle m'a montré en fait c'est pratique parce que c'est un système pour tu prends ton classeur, tu l'attrapes, le paquet et en fait, t'as plein de visuels transparents, tu glisses des feuilles dedans. Et quand la prof demande, vous sortez le chapitre temps, on sort tout le paquet. Voilà. Donc, super méga pratique. Je m'en suis pris plusieurs. J'en ai pris, comme je suis allée 2 fois, j'en ai pris plusieurs. J'ai vraiment pris tout un paquet. J'ai dû en prendre 7 ou 8, je crois. Ensuite, par quoi je vais continuer? Bah déjà ça, cette là, elle est déjà à moitié déballée. Faut que je me dépêche, leur tourne. Donc une espèce de grosse dentelle rose, elle est magnifique. Jusque là, j'utilisais pas trop la dentelle, jusqu'à ma crop où j'ai vu certaines filles utiliser de la dentelle, j'ai trouvé ça magnifique. Ensuite, évidemment, 6 mois après la bataille, après tout le monde, j'ai enfin trouvé ces mini blocs là pour faire des petites boîtes. Donc, je vous montre rapidement, je pense que vous les avez vus sur les vidéos. Maintenant, ça court partout. Il y a même des. Voilà, là il y a des die cuts et là il y a ça. Voilà. Donc là, c'est pour faire un petit sac en papier. Pareil, pour mettre quelque chose à offrir dedans, c'est super joli. Je devrais le montrer comme ça. Voilà. Enfin, il y a ça. Je crois que j'ai pas montré tous les visuels. Si, il y a les bicyclettes aussi. Voilà. Petit cœur. Ensuite, il y a aussi les petits chats. Qui sont trop mignons. Pareil, c'est pour faire des petites enveloppes, ça. Alors, je les ai testés pour voir si on pouvait mettre une ATC à offrir dedans. Mais pas du tout. C'est pas du tout adapté. C'est trop petit, malheureusement. Donc, pareil, il y a quelques die-cuts à la fin. Voilà.
Alors, Maud m'a demandé un deuxième Floral Feelings. Et oui, effectivement, comme on s'est fait piquer dans un colis et pas qu'un, apparemment, ça fait minimum deux colis qu'on nous fouille à Mondial Relay. Alors, les gens sont malins, ils ouvrent le colis, ils se servent. Quand elle va à son point relais demander à récupérer son colis après avoir reçu le SMS, on lui dit: désolée madame, faut revenir demain, on l'a pas, on l'a pas. Bah oui, mais j'ai reçu le SMS. Non, désolée, on l'a pas, faut revenir demain. Et en fait, bah, les gens ramènent chez eux le colis et ils doivent ouvrir, se servir et le refermer pour le ramener le lendemain au point relais. Donc je trouve ça juste inadmissible. J'ai envoyé un mail à Mondial Relais qui est resté sans réponse. Je vais signaler le souci à mon point relais et voir comment je peux les contacter en fait, parce que c'est juste inadmissible quoi. Écoutez, bref, j'ai repris ça du coup pour Maude. On va arrêter d'en parler parce qu'elle l'a pas reçu. Du coup, elle n'avait pas, on lui a piqué celui-là aussi. Donc, je repris. On lui avait piqué aussi toutes les planches. Alors, toutes, hein, toutes. Elle avait pris les 5. 5 planches. Elle avait juste pas pris la Reine des Neiges. Donc, bah, je suis allée à Action voir ce qui restait. Il restait plus que la Reine des Neiges. Et Mickey. Voilà. Et on lui a pris tout. Enfin, dégoûté, quoi. Je me suis repris ceux-là qui sont trop mignons avant qu'ils ne disparaissent. Et ceux-là aussi qui sont trop mignons aussi, pareil, avant que ça disparaisse. J'ai pris ceux-là pour Maud parce qu'évidemment, elle se les a fait piquer. Pareil, j'avais pris des vintage stickers à Action pour Maud. Vous savez, les petites fleurs en métal. Alors, je sais plus lesquelles je lui avais pris, mais elle a choisi ceux-là dans la nouvelle série. Là. Dégoûtée, comment dire, elle s'est fait aussi piquer ça, donc j'en ai repris. Merci Mondial Relais. Alors ça c'est pour moi. Par contre, je me suis pris 3 boîtes en plastique pour ranger. Je sais plus. Ah si. Je voulais découper dans du carton, enfin des morceaux de carton que je rangerai dans la boîte autour desquels j'enroulerai du ruban ou du masking tape. Pour les ranger, parce qu'en rouleau ça prend énormément de place, vous le savez. Maud m'a demandé ça aussi, ce sont des élastiques à couper. J'ai craqué encore. Évidemment, comme il y en a 3 tonnes en rayon, je me doute que c'est bientôt la fin. Du coup, je fais mes provisions pour l'hiver. J'ai trouvé les tags Disney, mais pas tous. Il me manque les Mickey et. Les Donald, je crois. Il doit y en avoir avec Donald, Pluto, tout ça. Donc, je commence par les princesses Disney. Que j'ai pris aussi pour Maud. J'ai pris les Winnie aussi. Évidemment, ils sont tellement choux que Maud me les a demandés aussi. J'ai pris la Reine des Neiges. Parce que je trouve qu'ils vont particulièrement bien avec le mini bloc de l'hiver dernier. Et Maud m'a demandé aussi pour sa fille. Et j'ai pris mini. Alors il me semble que c'est 68 centimes le lot. Donc ça n'a pas changé niveau prix par rapport à l'hiver dernier. Et j'aimerais trop qu'ils sortent les mini blocs par la suite. Des mini blocs qui iraient avec. Ce serait trop cool. J'ai pris ça aussi parce que certaines font des créas ou embellissent des albums avec ça. J'ai pris. Ah, j'ai pris ça. Ça, c'est pour une copine qui fait des savons. Et je sais qu'elle en cherchait. Donc voilà, elle voulait mettre des mini étoiles dans ses savons. J'espère que c'est assez petit pour ce qu'elle pense en faire. Ensuite, j'ai repris. Alors, j'ai pris ça pour Maud parce qu'évidemment, on les lui a piqués dans le colis. Haha, c'est pas un mec, c'est une femme, hein, sûrement.
Il y a d'autres personnes qui se sont plaintes de s'être fait chourer des soutiens-gorge carrément. Donc c'est forcément une femme. Il y a ça aussi. Ça c'est pour moi. Je suis passée à Zeman et j'ai trouvé ça. Je sais plus lesquels Moon m'a dit qu'elle m'a pris. Mais voilà quoi. Puis avec tous les vols qu'on a eu, on sait jamais. Je trouve, je prends. Il y a ça. Alors ça, c'est pour offrir à une personne qui adore les pandas. Dès qu'il y a quelque chose avec des pandas, je prends. Et un jour, bah, je lui ferai un envoi avec tout dedans. Je prends ça à chaque fois pour quand j'ai pas le temps de manger le soir. Et il y avait une promo sur les canettes d'Arizona. Et je prends ça, alors c'est pas qu'il ne soit pas cher du tout, c'est surtout qu'il me tient le mois le paquet. Je sais pas comment, ils sont blindés de feuilles, donc du coup ça me tient le mois, alors que d'habitude ça me tient à peine 2 semaines un paquet de 10 rouleaux. Donc voilà, comment dire, c'est génial, merci Action. Je me suis aussi pris, alors ça je m'en prends un paquet par semaine. Comment dire, génial, je récupère plein de boîtes en métal, c'est génial pour le rangement, pour faire des créas. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous allez pouvoir trouver tout ce que vous cherchez. À la prochaine, je sais pas quand.